Le deuxième travail, et vous le voyez, c'est rapide. Le deuxième travail, préalable à tout, c'est le chantier d'une opération main propre pour lutter contre la corruption. Casier judiciaire vierge pour les fonctions de responsabilité, lutte tous azimuts contre la corruption qui gangrène le pays, contre les mafias qui prospèrent. Oui, pour renouer avec l'exemplarité au sommet, sans laquelle il ne peut y avoir aucune mobilisation collective. Une véritable oligarchie financière, technocratique, judiciaire, qui a même mis la main sur le Conseil constitutionnel, et médiatique, s'est emparée du pouvoir, se croit au-dessus des lois, se gave de privilèges, et maintenant veut nous priver de notre liberté d'expression, qui pour nous, à Debout la France, et on l'a vu cet après-midi, est sacrée. La confiance, une fois restaurée, et seulement à ce moment-là, il faudra alors entamer les autres travaux d'Hercule qui permettront de sauver le pays. Mais sans la confiance du peuple par le référendum et le suffrage universel, sans la confiance du peuple par l'exemplarité dans ses élites, rien ne sera possible.